Les progrès technologiques ont profondément bouleversé l'espace informationnel. Pourquoi ? Déjà, ils ont changé la manière de produire du contenu. L'arrivée de la technologie a rendu tout un tas de choses très compliquées et très techniques beaucoup plus faciles. Ça a permis, dans le même temps, vu que c'était beaucoup plus facile et que ça coûtait beaucoup moins cher, eh bien que beaucoup plus de gens fabriquent de l'information et derrière la diffusent. Donc déjà ça, ça modifie énormément le paysage informationnel. Grosso modo, on passe d'une ère de la fabrication de l'information par des institutions médiatiques reconnues, et donc à une verticalité, à une forme d'horizontalité. Cette horizontalité, elle a plein d'avantages parce qu'elle permet l'expression d'un plus grand nombre de voix et donc nous donne quelque part l'illusion d'une plus grande démocratie. Le problème, c'est que ce bouleversement technologique, il n'a pas entraîné une adéquation des législations et des cadres juridiques dans les pays dans lesquels il fonctionnait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on arrive là dans un autre truc qui est de dire que tout le monde a la parole, mais finalement, il y a une partie des gens qui doivent respecter des règles très strictes et très compliquées pour avoir la parole, et une autre partie des gens qui s'affranchit complètement des règles. Et là-dedans, au-delà des gens bien intentionnés qui cherchent à produire et diffuser de l'information, c'est glissé. Tout un tas de gens qui sont très mal intentionnés. Il y a des journalistes professionnels, il y a aussi des désinformateurs professionnels. Et cette catégorie-là, qui est une catégorie extrêmement restreinte, eh bien, en fait, elle a gagné une audience absolument massive sur ces outils parce qu'elle a joué sur nos biais cognitifs, sur nos curiosités, sur l'effet de révélation de leurs publications complotistes, fake news et tous ces mensonges qui circulent. Et en fait, face à ça, on s'est retrouvé totalement démunis parce qu'en réalité, la démocratie, c'est probablement le système politique qui est le moins bien fait pour se défendre elle-même. Et donc, face à ces espèces de coups de boutoir de tous ces menteurs, désinformateurs, théoriciens du complot qui nous assaillent depuis toujours dans les sociétés, mais qui, depuis 20 ans, ont trouvé avec l'outil numérique une espèce de à la fois de caisse de résonance et de machine à multiplier leurs propos et leur impact, eh bien, nous sommes face à un problème très important sur lequel nos démocraties sont tellement secouées qu'elles pourraient chavirer. Et je crois qu'il est grand temps que nous reprenions la main là-dessus. Quand je dis nous, je parle des citoyens. Tous les citoyens ont un intérêt à ce que l'information soit de qualité, qu'elle soit traçable, et surtout que ceux qui publient et diffusent de l'information soient responsables de ce qu'ils disent. Il n'y a pas d'autre solution. Ça n'est pas possible de laisser des accusations sans preuve circuler à la vitesse de la lumière. Elles ne seront jamais rattrapées. Et finalement, quand on imagine ça, l'idée qu'il y aurait la possibilité d'accuser sans preuve, en fait, ça ne s'appelle pas la démocratie. Il y a trois manières de lutter contre la désinformation. La première, c'est de former les citoyens à détecter les mensonges, c'est-à-dire de les former à l'esprit critique, de les former à l'éducation aux médias, et donc de leur faire comprendre la fabrication d'informations, de repérer les mensonges et du coup d'être capable de se faire leur propre opinion sur les choses. Premier espace. Le deuxième, c'est donc de réguler cet espace numérique dans lequel circulent toutes ces informations et de faire en sorte que, tout simplement, celui qui diffuse une information soit responsable de ce qu'il diffuse. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Et ça nous ramène même à un truc que disait Voltaire à l'époque. Voltaire parlait déjà de désinformation. À l'époque, lui, il parlait de ce qu'on appelait les libelles. Les libelles, c'était les fake news de l'époque. Il disait que Marie-Antoinette bouffait des enfants au petit déjeuner. Ces libelles, elles étaient diffusées sous le manteau, sans signature ou sous fausse identité, et elles avaient un impact terrible. C'était l'impact de la rumeur. Et finalement, aujourd'hui, les libelles, elles existent et elles sont poussées par des algorithmes sur TikTok, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Donc ça, un, éducation, deux, régulation, et trois, il va falloir à un moment que nous soyons capables de nous attaquer à tous ceux qui fabriquent tout ce n'importe quoi. C'est-à-dire que s'il existe de la désinformation, s'il existe des fake news, s'il existe des théories du complot, c'est avant tout parce qu'il y a des gens qui les fabriquent, et il y a un moment, il va falloir qu'on dise stop.